Ah, tu sais que... Oublier ton cartable? Ah non, mais un jour, tu vas oublier ta tête, Paul. Hein. Non, mais tu sais quoi? Tu vas en assumer les conséquences. Eh ben, on va pas faire demi-tour et tu vas t'expliquer devant tes profs. Fais une petite leçon. Mais qui oublie son cartable, Paul? Qui? Bah là, t'as mis oublié ta sacoche, là. Moi? J'ai oublié ma sac... Moi? J'ai mis ma sacoche? Je peux te dire que... Ah, demi-tour! Franchement, Paul, t'es un peu trop tête en l'air. Concentre-toi, parce que si tu continues à faire des petites fautes d'inattention comme ça, tu... Paul? Paul? Et bien sûr, je l'ai oublié à la maison. Ah, demi-tour! Paul, c'est vraiment inacceptable de perdre un temps fou comme ça le matin. Hein, vraiment, tu dois te reprendre en main et il faut que t'arrêtes d'être la tête dans la lune. D'accord? Ok? Allez. File à l'école, canaillou, je t'en veux pas, va. Mais papa, là on est sur le parking de ton travail. Sur le parking de mon... Ah, demi-tour! Coucou là, c'est moi, Pipotin, le sac à dos copain. Mais arrête, la honte avec toi, la gamine quoi. Oh lolo, quelqu'un est gros chonchon aujourd'hui. Non mais t'es ça, stop, c'est tout nul ton sketch là. Pipotin pense que quand quelqu'un a une grosse colère, c'est souvent qu'il a un bobo à son petit cœur. T'es relou, je t'assure. J'ai pas du tout la tête à ça, là. Surtout aujourd'hui. Oh, pourquoi aujourd'hui? Non, mais rien. C'est juste que hier, j'ai dit à Gabriel que je l'aimais bien. Gabriel, c'est le très joli garçon dans ta classe. Ouais. Sauf que lui, il m'a dit qu'il était amoureux de Camille. Et toi, depuis, tu fais le chagrin du boudin noir dans ton coin. Je lui ai dit que c'était pas grave. Mais il lui trouve quoi, Camille, franchement? Je suis carrément plus sympa qu'elle. Et rigolote aussi. Non, mais c'est clair, il rigole tout le temps mes blagues. Tu sais quoi? Au fond de moi, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah, elle là? Oui, Pipotin. Tu te rends compte que t'es en train de raconter ta vie à un sac à dos, là? Laissez-moi tous les deux. Elle là, attends! Salut! Salut! Anna, c'est quoi ce sac de 1000 kilos, là? Bah, quoi? Bah, t'as oublié qu'on avait que sport ce matin? Regarde, moi, j'ai juste pris mon shirt là-dedans. Moi, je suis venu directement en tenue sport, c'est plus simple. Ok, les losers, sauf que moi, j'ai tout prévu, hein. Un déo pour pas sentir le bouc après. Un sèche-cheveux pour avoir la classe en sortant. Des pompons pour vous encourager quand vous serez en train de courir, parce que moi, j'aurais déjà fini parce que je cours bien plus vite que vous. Une enceinte pour proposer aux profs de mettre de la musique pour motiver les élèves. Ah, c'est bien, ça. Ouais. Un lit gonflable pour me reposer après. Waouh! Et un ballon pour faire des exercices. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est cool, mais en fait, elles ont des affaires de sport. Ouais, je vais trop marrer. Elle se moque toujours de moi quand je me plains de mon sac qui pèse une tonne. Là, elle va comprendre. J'ai mis des briques d'anciens. Attends, je te laisse, elle arrive. T'es ça? T'oublies pas ton sac, là, par hasard? Ah non, merci, mais j'en ai pas besoin aujourd'hui, on va au musée. Tu dois juste emmener une feuille et un crayon. Bye! Et là? Je t'ai vu sortir le sac de ta sœur. Tu le rentres tout de suite, s'il te plaît. Non mais attends, maman, je... Tout de suite! Allez, on se dépêche! Allez!